Au Tigre Vanier, c'est avant tout la passion du voyage, du beau voyage. On est une équipe de 13 personnes. On a un bureau à Genève, qui est le bureau historique, ça fait 20 ans qu'on est ici, et un autre à Lausanne, qu'on a depuis une petite dizaine d'années. On a été confrontés donc à cette crise du Covid qui nous a empêchés de vendre nos destinations historiques, hein, parce qu'on opère essentiellement sur l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Donc du jour au lendemain, c'était devenu impossible de se rendre dans tous ces pays-là. Donc nous, on a dû innover, partir sur des nouveaux défis, mais utiliser notre savoir-faire qu'on a développé sur nos destinations historiques pour les mettre au profit de destinations plus proches, et en premier lieu la Suisse, où on a organisé passablement de voyages cet été. On a créé des expériences notamment où on va aller rencontrer un fabricant de cordes des Alpes qui nous montre son atelier. Tout le travail qu'on a mené cet été de connaissance et de maîtrise de la Suisse et de création de circuits originaux, c'est éventuellement la vendre à des étrangers quand eux pourront revenir en Suisse. Au-delà de la crise sanitaire, on était confronté quand même à des mutations sur le marché touristique depuis de nombreuses années. Les gens sont de plus en plus habitués à acheter leurs billets d'avion, leurs nuits d'hôtel, maintenant les excursions, éventuellement les guides sur Internet. Mais cela les confronte à l'embarras du choix. Et parfois, ils n'arrivent justement pas à se décider. L'être humain a envie de voyager, on a envie d'exotisme, ça fait presque partie de nos besoins. On est sûr qu'à l'avenir, les gens continueront à voyager. Et surtout, on est sur une niche du voyage sur mesure à la carte. Donc, ces prestations individualisées et personnalisées nous permettront de bien rebondir, je pense.